Vous savez qu'un jour, j'étais à Lyon pour un prix que Bidon, d'ailleurs c'est des gangsters qui avaient inventé ce prix Jean Cocteau, il y avait Yves Montand, Romy Schneider, enfin on était toute une bande, et puis j'étais en face d'un sénateur, assez de droite comme ça, assez emmerdant. Ah bon ? Et Montand lui dit, quel est votre acteur préféré, monsieur le sénateur ? Il regarde Montand dans les yeux, lui dit, Fernandel. Déjà, on était bien partis. Et moi, il me dit, et vous, vous faites quoi dans la vie ? Je dis, je suis journaliste. Ah bon, et quel journal ? Je dis, Minute. Oh, j'adore ce journal. Vous êtes bien renseigné. Je dis, oui, d'ailleurs, la semaine prochaine, on va publier les lettres d'amour du général de Gaulle avec Michel Droit. Il me dit, comment ? Qu'est-ce que vous dites ? Vous ne pouvez pas faire ça. Mais c'est très beau d'ailleurs, c'est très pur, c'est très beau. Et pendant toute la soirée, il y avait quelques copains journalistes qui étaient pliés en deux parce que j'ai fait croire à ce monsieur que Michel Droit était l'amant du général de Gaulle.